de l'eau à ébullition, saler et blanchir les feuilles de chou pendant 3 minutes. Les rafraîchir dans de l'eau fraîche et les égoutter. Retirez les côtes des feuilles de chou les plus vertes et coupez chaque demi-feuille en deux. Retirez les côtes des feuilles de chou les plus jaunes et les émincez. Ça, c'est la meilleure formule. Hein. Quand on les blanchit, il vaut mieux enlever les côtes une fois blanchies qu'avant. Je pense, oui. Comme ça, les choux se tiennent bien. Mettre l'échalote hachée finement dans le poêlon, couvrir de vermouth et faire réduire de moitié. Mettre à fondre l'oseille pendant 2 à 3 minutes, saler, poivrer et réserver. Mettre le beurre à fondre et faire suer les lanières de feuilles de chou pendant 2 à 3 minutes. Ajouter les petits gris, saler, poivrer et réserver. Tapisser les bols de crépines. On la met dans de l'eau, on la lave bien, on la laisse tremper dans l'eau et on l'entrepose au réfrigérateur une nuit. Comme ça, elle est bien blanche. Et les garnir de feuilles de chou. Saler, répartir le chou en lanières, les petits gris, couvrir avec le reste de lanières de chou et terminer avec l'oseille. Repliez les feuilles de chou délicatement et refermez la crépine. Beurrez grassement un moule à gratin, démoulez les crépines et les disposez dans le plat. Arrosez de bouillon de volaille et enfournez 15 minutes à 180 degrés en les arrosant régulièrement en cours de cuisson. Ajoutez la crème liquide et terminez la cuisson au four pendant 5 minutes. Parsemez de cerfeuil concassé et servir les crépinettes aussitôt. Crépinettes de chou et petits gris à l'oseille. Pour 4 personnes, 32 escargots petits gris, 12 feuilles de chou, 250 g d'oseille, une échalote, 3 pincées de cerfeuil, 100 g de crépines de veau, 50 g de beurre, 60 g de crème liquide, 4 louches de bouillon de volaille, 1 décilitre de vermouth, du gros sel, du sel fin et du poivre du moulin.